Yo les gens, ici Rafi 5250. On se retrouve pour mon deuxième épisode sur mon let's play de Star Wars Battlefront 2, donc du mode solo. Donc c'est parti, on continue la petite histoire. Allez, c'est parti. Donc là, on est arrivé sur Endor, je crois. Ouais, c'était ça. La planète où il y a le bouclier pour désactiver le. On appelle ça le bouclier de l'étoile de la mort. Donc là, on va essayer de le faire en infiltration. Une cible en approche droit devant vous. Vous voyez, les graphismes, franchement, c'est hallucinant. Et encore, je suis pas en 4K, hein, franchement. Là. Là, les graphismes, j'en prends déjà plein la gueule et je suis pas en, en 4K. Quoi. Donc le jeu est bien foutu, quoi. Capacité déverrouillée, avant-garde, série, élimination. Ok, d'accord. Donc là, je peux déverrouiller une attaque, normalement. Voilà, je peux déverrouiller ça. Avant-garde, série, élimination. Canon, impulsion. D'accord, ok. Donc là, il demande de l'activer ou pas, non? Finalement, c'est toujours beaucoup mieux qu'un hot. Hop, c'est parti. J'ai deux escouades en visuel. Une au bunker et l'autre qui patrouille près de l'épave du marcheur. Là-bas, ok, d'accord. On prend le relais. Waouh, éliminé, ok. Donc on va essayer de se le faire tranquille. Pas tranquille, mais ah, est-ce que j'ai des grenades ou pas? Je sais même pas si j'ai des grenades, moi. Pourquoi c'est si long? Les pompes sont foutues. L'explosion a dû complètement les écraser. Tu peux l'ouvrir? Je crois bien. Allez, on y va, bourrin. Allez, c'est parti. Donc là, il devrait me donner un sniper. Ah oui, là, il y avait un sniper, il me semble, si je me trompe pas. Ah, voilà, un sniper. Un bon petit sniper, là. Attendez, hop. Scan la zone. Voilà, il y a des ennemis, là. On va tous les faire tranquille, les ennemis. Je peux pas les faire d'ici. Ah. Là, j'ai plus de... Là, je vais attendre que j'ai mon truc qui soit recharge ma capacité là. Ça va être un peu chaud sinon. D'autres rebelles. Attendez mon signal. Oui, commandant. Oh merde. Bah d'accord. Mon effet de surprise, il est gâché. Oh merde, il m'a lancé des grenades! Je peux pas changer d'arme du coup. Ah ouais, non, j'ai que celle-là du coup. Comme arme. Il est où? Il est là. Oh merde. Voilà, nickel. On continue. On continue, continue, continue. Oh, il y a un truc là. Ok. Il y a pas d'ennemi. Ah oui, il y a un ennemi qui arrive là. Bon, d'accord, ok, bon, je vais te faire trop mal. Oh, ils sont plusieurs en plus. Par contre, finalement, on peut faire des parfaites normalement. J'ai un peu de mal avec mon sniper, moi. Franchement, le sniper, j'ai tout le temps du mal. C'est dans n'importe quel jeu, j'ai tout le temps du mal au sniper.
J'aime bien quand ça bouge pas quoi. Allez, arrête de bouger. Voilà. J'aime pas quand les cibles sont mouvantes, là, c'est un peu chaud là. Vous voyez là, ça bouge pas trop là. D'accord, même en bougeant, j'arrive pas. Quand ça bouge pas, j'arrive pas. Trop marrant. Attendez, je vais juste regarder, c'est pas un truc à récupérer. Alors par contre, ça l'indique pas sur la carte, je crois. Il va falloir aller chercher les trucs. Atteindre, ils me disent d'aller là, je sais pas pourquoi. Donc là, il y a la cinématique, vous allez voir. C'est la cinématique emblématique de Star Wars. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. Ouais, ce que je vous ai dit, c'est pendant le, ça se passe pendant le film Autant du Jedi. Plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Allez, let's go. Pour la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est notre seule chance de rejoindre le Corvus. Oh, j'ai plus d'armes, j'ai plus d'autres armes que ça. Oui, commandant. Oui. Agent A, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Oui. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloan a ordonné la retraite. Nous quittons le système. Vous voyez comment les graphismes, franchement, c'est hallucinant. C'est bien foutu, hein, franchement. C'est hallucinant quand même. Je trouve qu'il est plus beau que le premier. Et ils ont fait un beau mode histoire quand même. Ils ont pas fait un truc dégueu. Ah là, c'est les Wookiees. On entend les. Ah, il y a les Wookiees là-haut. Vous avez vu? Là, il y a un Wookiee. Juste là. Pas un Wookiee, mais je sais plus comment il s'appelle, les petites bestioles. C'est pas un Wookiee, mais je sais plus comment il s'appelle. Dites-moi si vous vous rappelez c'est quoi les petites bestioles. Comment ça s'appelait? Les petites peluches, là. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Miko. On s'occupe. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Je me charge de... Voilà, grenade, barrez-vous. Bien joué. Ah, bah tenez, il y a un truc là. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent, nous verrons ce que nous pouvons faire. Ah, je sais pas si c'est un... capacité de disruption. Une disposition de d'amorçage. D'accord, ok. J'ai une nouvelle capacité du coup là. Ok, ça doit être ça, disruption. Ok. Ah, voilà, il y a un truc spécial là. Bah en fait c'est bien, ça fait plein de petits trucs à récupérer, c'est bien ça. Ah bah il y a même une arme peut-être même. Encore un snipe, ouais d'accord, ok.
on doit aider notre tard. Ouais, bah attends, j'y vais. Donnez vos positions et ripostez. Mais eh, mes armes, il faut trôler mes armes comme ça. L'Empire évacue Endor. Repoussez ces rebelles. Bien reçu, commandant. Comptez sur nous. Attention, Hassan, on se voit armé. Il en restait un à tuer normalement. Oh, il m'en reste plus qu'un. Il faut combien comme ça? Ah, ah encore? Je pense que c'est bon là, non? Ouais, je pense que c'est bon normalement. Elle est minée, il n'y a plus personne. Ma gueule ou quoi? Scanne la zone. Ah, d'accord. On les a tous. C'est bon, on les a vus. Se rendre à la plateforme numéro 4, on y go, on y go. Ah, y'a un truc là. En tout cas, on vous doit une fière. Ah, c'est un roquette. Mais quel roquette, c'est. Bah, ok, d'accord. Pourquoi elle se met comme ça, elle? Ah, c'est moi, ok, d'accord. Faut aller par où? Par là? Je sais même pas c'est par où, s'il faut aller par là ou pas. Ouais, c'est ça, ouais, atteindre. On est lourd. Les rapports font état de transport ennemi se posant sur Endor. Il déploie des troupes partout sur cette lune. Mieux vaut ne pas se tarder. Commandant, regardez. Donc c'est quoi ça? Officier augmente l'efficacité de leur allié. Ask, soyez prêts. Ouais, je suis mort. J'ai voulu jouer comme ça, mais... J'ai voulu la jouer à la fine comme ça, mais du coup, je suis à voir. Ah, c'est écrit quoi? Grenade aveuglante? Non. Non, j'ai cru. Faut que j'avais débloqué un nouveau truc. Ah, on peut avoir plusieurs mains. Bah voilà, c'est bien, ça. Le plus précis en longue portée. Bah voilà, je peux changer d'arme si je veux. Là, c'est sniper. Portée, ok. Prendre ça, je sais pas, c'est un sniper, ça. Non, ça, c'est pas un sniper. Alors, on y va, hop. C'est par là, hop. Mmh.
Agent Miko, votre position. J'ai rejoint une escouade sur la plateforme. Je vous attends avec l'agent Ask pour rentrer. On arrive. Par contre, je laisse comme ça, je fais une petite coupure et on se rejoint après parce que j'avais un petit rendez-vous à 17h là. Donc je mets une petite coupure et je ferai le remontage. Je ferai bien confortablement le truc après. Donc je fais une petite coupure dans 2-3 minutes. Je continue un petit peu mais je suis désolé. Hein. Je pensais que la vidéo durerait moins longtemps que ça. Ah, les personnages ils sont bien foutus, je trouve. Hein. Vous voyez ? Ils sont bien faits. Hein. Même l'eau, comment elle est bien faite, l'eau. C'est hallucinant. La plateforme 4, elle est par là. Par là-bas. Ouais. Donc là, c'est vraiment un assaut, quoi. On va essayer d'y aller tranquillement. Ah, il y a un TRTT là. Bon, je fais la petite coupure et on se retrouve tout à l'heure. Là, je profite de la petite pause là comme ça. Comme ça, il n'y a pas de danger que je vous fasse attaquer. Et de toute façon, je vous inquiétez pas, je vous ferai directement le montage. Je regrouperai les deux parties vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc désolé pour cette petite coupure, désolé, hein, je peux pas faire autrement. Donc du coup on se retrouve pour la suite de mon deuxième épisode de mon let's play sur Battlefront 2. Donc dans la campagne solo, donc c'est parti. Donc là on doit récupérer les chasse-sorties pour pouvoir s'échapper de la planète d'Ander, de la lune d'Ander, voilà. Donc je sais pas si je fais quoi là, je fais comment là. Bon allez on y va, c'est parti. Là c'est carnage de tous les... Ouh, y'a un... Wouah. Ah ouais, c'est tout. Ah oui, j'aurais pas cru qu'il serait si vite que ça. Oh le mec Jack, dès qu'il a vu que j'étais là, il m'a vu quoi. Qui c'est qui me tape dessus là? Ah, je sais pas si on peut rentrer là-dedans, je pense pas. Hein. Ah, il y a sûrement un truc à récupérer là, non? Analyse les menaces. Ah, là, il y a encore les ennemis là. Après, je pense que quand je prends l'ascenseur,
la vidéo va se terminer là parce que je vais faire la coupure et on partira directement. Je ferai directement la capture pour le troisième. Pas directement, mais je vais faire la coupure entre deux. Mais pour le troisième épisode. Ça, c'est petite tourelle comme dans le mode multijoueur, on peut les installer. Bien, commandant. J'adore le bruit qu'ils font les vaisseaux. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je vais mourir. Mais non, t'es sérieux, là? Je vois plus rien. Ah bah, je suis mort. Dommage, je voyais plus rien. Bouclier, capacité déverrouillée. Bouclier, ok, d'accord. Donc, je peux mettre une nouvelle capacité, normalement. Normalement, hein. Ah non, peut-être pas. Bon, je sais pas. Donc on y va. Ah, faut recommencer tout. C'est nul, ça. Contact sur la plateforme. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Descendez-les et sécurisez les chasseurs. Voilà, on l'a joué. On va la jouer un peu plus sécurisé, ce coup-là. Oh non, le con! Oh non! Bah, je pensais qu'on pouvait marcher sur le côté. C'est quoi ce bordel? Pff, c'est mal foutu là, un truc. Normalement, j'aurais pu marcher sur le côté. Hein. Bon, vas-y, hop, ce coup-là, j'y vais. Cela, la vidéo va durer trop longtemps sinon. Hop, on y va. Allez, on s'en fout, on s'en fout. Donc, désolé, je pensais qu'on pouvait marcher sur le côté. Là, je suis vraiment à voir comme un débutant. Descendez-les et sécurisez les chasseurs CIE pour notre fuite. Suppression extraction. Allez, ce coup-là, on y va. Ce coup-là, c'est la bonne. Bon, par contre, là, c'est juste pour récupérer les roquettes, non, qu'on fait ça, non? Ah, c'est quoi? Ah, c'est des roquettes. Wow. Prenez le premier pour la retraite. Bien, commandant. Ah ouais, c'est vraiment des mines, quoi, direct. Pas des mines, mais des lance-grenades. Ouais, on peut pas faire une roulette comme dans le... Dans le multi. Là c'est bon, ça va bien, bon petit sniper. Parce que là, avec les ennemis si loin que ça... Partez, c'est là la première, je partirai la dernière.
Je pense pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je décolle, commandant. Ah ouais, vas-y, vas-y, je te rejoins. Oh non. Je vais me faire avoir comme tout à l'heure, je le sens. Non, c'est bon, j'ai pas de la vie. Toi là-haut qui m'a tué tout à l'heure. Non, ouais, derrière, c'était pas grand monde. On va faire le contour comme ça. Pour être sûr qu'il y a personne. Ah, il y a un X-Wing qui se pose, un vaisseau qui se pose. Donc là, je crois que je dois... Ah, presque prendre le vaisseau. Oh merde! J'ai pas vu qu'il y avait un mec là. Toujours avec nous, commandant. J'ai le chasseur. On se retrouve là-haut. On l'a là? Non. Attendez. C'est tout seul le mec. Il est sérieux. On voyait plus personne. Donc ce que je vais faire, je vais faire une petite coupure. Donc c'est la fin de cet épisode là. Je pense que le prochain épisode, ce sera direct le combat. Moi, je pense que pour moi c'est un combat dans l'espace, mais je suis pas sûr. J'avais pas été super loin dans les vidéos. Parce que moi j'avais vu juste la vidéo, mais de l'IA Access. C'est pour ça que je pouvais pas tout voir. Donc là, je vous dis à une prochaine pour prochaine vidéo. Donc j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Ça va, bye. Partez bien. Peace. Et la force soit avec vous.